Chaque printemps, avant le démarrage de la saison touristique ou le début des travaux agricoles, revient sur le devant de la scène la question de l'hébergement des travailleurs saisonniers dans ces zones touristiques ou rurales. Or, cette main-d'œuvre, elle est essentielle pour le dynamisme des territoires dans lesquels s'exercent ces activités qui demandent une main-d'œuvre saisonnière importante. Le CESE a décidé de se saisir de cette question de l'hébergement des travailleurs saisonniers, de l'approfondir pour essayer d'en poser les enjeux et surtout d'esquisser des pistes de solutions. Nous avons recueilli l'avis de porteurs de projets via une plateforme participative. Nous avons aussi souhaité, dans la commission qui examinait cet avis, nous déplacer sur le terrain. Nous sommes allés en Bretagne pour écouter les acteurs locaux. Et enfin, nous avons associé à nos travaux les Césaires qui le souhaitaient. Le premier constat qui s'est tout de suite imposé à nous, c'est celui d'un foisonnement d'initiatives sur le territoire. Les collectivités, les employeurs, les associations, les syndicats, les organismes consulaires déploient de nombreuses solutions pour répondre aux besoins de leur territoire, des solutions en termes d'offres de logement pour les saisonniers, mais aussi des solutions en termes d'organisation de mobilité. Parce qu'il faut avoir bien en tête que hébergement des saisonniers et mobilité sont deux facteurs qui sont étroitement associés. Et face à ce foisonnement d'initiatives, nous nous sommes aussi immédiatement heurtés à plusieurs obstacles. D'abord, l'impossibilité de dresser un inventaire exhaustif des solutions et des besoins. Ensuite, à l'absence de données agrégées au niveau régional ou au niveau national. Nous avons également constaté l'insuffisance de mutualisation des expériences, de partage des solutions qui ne permettent pas aux bonnes initiatives d'essaimer. Et enfin, nous avons regretté l'absence de cohérence des politiques publiques en la matière. Nous avons donc besoin d'une réelle stratégie nationale en faveur du logement des travailleurs saisonniers. Non pas dans une vision centralisatrice ou normative qui imposerait le même modèle à l'ensemble du territoire, mais bien au contraire d'une stratégie qui permette d'accompagner les initiatives des acteurs locaux sur le territoire, qui permettent d'optimiser la richesse de ce que j'appelais ce foisonnement de solutions, bref, d'optimiser encore mieux les initiatives et les démarches locales. La stratégie que nous proposons s'articule autour de quatre axes. Le premier axe, c'est de renforcer la cohérence des politiques publiques en faveur du logement des saisonniers, et ceci dans un contexte de tension du marché du logement. Pour cela, on a plusieurs propositions, et en particulier celle de nommer un délégué interministériel, mais aussi de confier aux régions le soin de mettre en synergie, d'apporter du partage entre les solutions déployées au niveau local. Le deuxième axe, c'est améliorer le cadre législatif, réglementaire et fiscal pour inciter à des solutions permettant l'hébergement des travailleurs saisonniers. Il faudrait rendre éligibles les logements destinés aux travailleurs saisonniers aux mêmes aides et aux mêmes dispositifs que ceux qui s'appliquent aux logements location permanente. Et je pense en particulier à MaPrimeRénov'. Les solutions sont nombreuses et parmi toutes celles que nous avons identifiées, je citerai la nécessité de remettre sur le marché les logements vacants, évidemment en particulier dans ces zones touristiques tendues. Le troisième axe, c'est favoriser la mutualisation des solutions d'hébergement saisonnier. Pourquoi cette mutualisation? Parce qu'elle est essentielle pour arriver à l'équilibre financier des projets. Le plus longtemps un hébergement est occupé, le plus vite il trouve son équilibre financier. Et il faut par exemple inciter le montage de projets qui s'adressent à plusieurs publics différents, par exemple des saisonniers, des apprenants, des alternants, ou à des publics de différents secteurs, pourquoi pas des structures qui hébergent et des saisonniers de l'hôtellerie-restauration et des saisonniers de l'agriculture, par exemple. Le quatrième axe, c'est répondre mieux aux attentes des saisonniers.
un nombre important de saisonniers ignorent quels sont leurs droits et les aides auxquelles ils peuvent prétendre. Une solution envisagée est de généraliser la diffusion de vademecum adaptée au public visé et également généraliser la construction de plateformes qui recensent les offres de logements disponibles pour les saisonniers.